Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 24 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 12e visioconférence de la série des Galactiques 2024. Le thème de cette rencontre est la pyramide de Chichen Itza au Yucatan. La présentation d'aujourd'hui a un contenu personnel. Il vient de ma propre expérience du Yucatan et de sources extraterrestres, notamment de Zen par écrit et en audio. C'était le dimanche 20 mars 1983, il y a 4 décennies. Je me tenais devant l'imposante pyramide El Castillo à Chichen Itza, au Yucatan, me demandant pourquoi mes contacts extraterrestres m'y avaient envoyé. Le souvenir de l'œuvre du romancier britannique D.H. Lawrence, Le serpent à plumes, traversa mes pensées. La pyramide était un temple dédié à Quetzalcoatl, symbole de connexion entre la terre et le ciel, et l'écrivain évoquait dans son ouvrage les rituels anciens et les sacrifices qui lui étaient dédiés. Rituel que Lawrence évoquait en ces termes. La flûte s'était tue. Seul le tambour vibrait à intervalles réguliers. L'un des hommes du cercle entonna l'hymne. Il chantait à la manière des vieux peaux-rouges, d'une voix contenue et intense, comme s'il s'adressait à son âme. On ne distinguait ni rythme ni émotion. C'était à peine de la musique, mais cela allait droit à l'âme, à cette âme éternelle où la grande famille humaine se rejoint et veut prendre contact. Le chanteur se tut, seul le tambour continua à vibrer dans la nuit. Chichen Itza, dans le Yucatan au Mexique, est l'un des sites archéologiques mayas les plus célèbres au monde. Pyramide à 9 degrés, elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. J'étais seule sur cette immense zone vide devant la pyramide. Quelques personnes commençaient à arriver, toutes habillées de blanc, les hommes surtout, avec une large ceinture rouge. Ils jouaient de la flûte et du tambour, parlaient entre eux, joyeux, tous avec une retenue cérémonieuse. Je me demandais ce qu'il se passait. Une heure auparavant, j'avais gravi les 91 marches qui menaient au temple sacrificiel tout en haut de la pyramide et j'avais été surprise par mes découvertes. Depuis la plateforme, j'entendais les gens parler en contrebas comme s'ils me chuchotaient quelque chose à l'oreille. Et en regardant à travers une étroite ouverture dans la pierre, je pouvais voir un autre temple en parfait alignement des kilomètres plus loin. Sur la plateforme même, il y avait un autel, et au moment où je m'en approchais, je commençais à visualiser des prêtres en robe blanche avec de larges ceintures rouges qui gravissaient les marches lentement, emportant des offrandes sur un plateau. C'étaient les cœurs encore palpitants, d'où jaillissait le sang de jeunes hommes et de jeunes femmes auxquels on les avait arrachés, encore vivants. J'avais répondu à un appel intérieur subit, comme ce fut à chaque fois le cas où mes contacts extraterrestres m'envoyaient sur un site spécifique pour prendre conscience, en personne, de la vie du lieu. Je ne connaissais rien de l'histoire maya ou toltèque, et c'était la première fois où j'étais confrontée à l'idée de sacrifice humain. Devant l'imposante pyramide à 9 degrés, je pris conscience de l'exactitude et de l'importance de l'astronomie maya. Chacun des 4 côtés du temple comporte 91 marches et la plateforme supérieure constitue la 365e, comme les 365 jours du calendrier solaire. La foule commençait à s'agglomérer et tout le monde prenait place en cercle autour de la pyramide face à l'escalier nord.
Comme je n'avais aucune idée de ce qui se passait, je me suis assise avec eux. À un moment précis, en fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait, les rayons frappèrent le sommet de la pyramide en diagonale et l'ombre des degrés, en tombant, prit la forme d'un serpent qui, avec la chaleur, commença à onduler et rejoignit une énorme tête de serpent en pierre à la base de l'escalier. Et c'était comme si un énorme serpent descendait du ciel en ondulant et entrait dans la terre. Je n'en avais pas conscience au moment où j'étais là, puisque je l'ai découvert par la suite, mais le jour où j'étais là, au moment précis de l'équinoxe et de ce phénomène qui n'arrive que 2 fois par an, à l'équinoxe du printemps et celle de l'automne. Lorsque le phénomène disparut, la place se vida et je restai seule, abasourdie par le spectacle auquel je venais d'assister, malgré moi. Lorsque brusquement, mon attention fut attirée par une porte ouverte juste derrière la tête du serpent en bas de l'escalier. Voilà, donc vous voyez cette ombre ondulante est en train de descendre et vous voyez qu'elle rejoint la tête du serpent tout en bas de l'escalier nord. Alors que j'étais seule et que tout le monde était parti brusquement, je remarque cette porte. Curieuse, je m'y suis rendue. Il y avait un escalier qui montait vers une lumière. Les marches étaient usées par des milliers de pas qui les avaient empruntés et les murs étaient recouverts de gouttes de buée, ce qui me donna l'impression de traverser un utérus. Je réalisais qu'en fin de compte, le serpent ne représente pas un reptile, mais c'est le symbole de la femme ou de l'ADN. Arrivé en haut de l'escalier à l'intérieur de la pyramide et en tournant à gauche, il y avait un autre temple avec un autel fermé par des barres métalliques. Au centre de la pièce, il y avait une statue du dieu appelée Tchakmol, qui veut dire grand jaguar rouge. La sculpture représente un homme couché, s'appuyant sur ses coudes, les jambes repliées et la tête tournée à 90 degrés sur le côté. Il tient un plateau sur le ventre et je me souvenais avoir vu cette image dans mon livre d'histoire à l'école. Là aussi, je me suis dit qu'il s'agissait d'un plateau où l'on apportait des sacrifices, mais c'était différent de celui de la plateforme tout en haut de la pyramide. J'avais plutôt l'impression que c'était des offrandes de fleurs et de fruits. À l'arrière de cette salle, il y avait un trône rouge sur lequel les rois mayas s'asseyaient pour assister au sacrifice à la gloire du dieu de la pluie. Je restais dans cette salle au cœur de la pyramide pour comprendre ce que je devais voir, quand brusquement, un homme de type Maya est entré. J'étais caché dans un recoin, je ne sais pas s'il m'a vu. Il portait un large sac qu'il laissa tomber par terre d'un seul coup, et en avançant les mains, il commença à psalmodier dans un langage que je ne comprenais pas. Il était en transe, les yeux fermés, et se balançait d'avant en arrière. En le voyant, je me suis dit que ce culte et la vénération des populations locales étaient encore très vivantes et je me dis qu'il allait m'arracher le cœur pour l'offrir à son Dieu. Je sortais sur la pointe des pieds et pris mes jambes à mon cou en sortant de la pyramide avec l'impression d'avoir évité le pire. Cette pyramide, donc, grande, énorme pyramide, en cachait une autre qui n'est pas ouverte tout le temps, elle est ouverte seulement 2 fois par an au moment des équinoxes. Une plus petite pyramide au cœur d'une plus grande. L'impression à l'intérieur de la petite pyramide était plus ouverte, plus fleurie que dans la grande pyramide où j'avais l'impression qu'il y avait effectivement à l'extérieur des sacrifices humains, mais pas à l'intérieur. Il est remarquable que cette structure d'ensemble ait été placée dans un alignement parfait avec le soleil couchant à chaque équinoxe pour créer, siècle après siècle, ce phénomène de serpent ondulant
descendant et rejoignant la tête qui est donc toujours en place, comme vous le voyez en bas de l'escalier. Et je me dis aussi que les populations mayas ou toltèques ne possédaient pas à cette époque le matériel suffisant pour construire un édifice avec une telle précision et des matériaux si durs qu'ils sont encore intacts à notre époque. Vous ne pouvez pas construire quelque chose d'aussi mégalithique, puis simplement attendre pour le faire tourner dans son ensemble, dans l'axe précis du soleil, pour faire naître cette ombre. Donc, ces populations avaient des connaissances astronomiques et mathématiques. Ils savaient que la Terre était une sphère, qu'elle tournait autour du soleil, et qu'ils avaient les machines, les matériaux et les outils pour créer de telles structures, ce que ne possédaient pas les populations terriennes de cette époque. Comme vous le comprenez sans doute, les constructeurs n'étaient pas terriens. Ils étaient d'origine du système stellaire Maya dans la constellation M45 du Taureau et la main des Pléiades. La construction de telles structures avait été calculée depuis l'espace et non pas depuis la Terre. Les concepteurs et les constructeurs savaient exactement comment édifier un tel bâtiment, mais depuis l'espace. Après avoir été construite par les Mayas, donc des extraterrestres lyriens et pléiadiens qui étaient arrivés sur Terre, et qu'ils avaient utilisé ces pyramides comme des réacteurs stellaires, dont je vais parler dans quelques instants, l'ensemble de Chichen Itza fut envahi par les Toltecs Itza, marqué par des changements brutaux dû à l'arrivée d'étrangers sur le territoire maya. Leur chef est le dénommé Naxit-Gzushit. Il arbore le titre de serpent à plumes, Kukulkan, chez les Mayas du Yucatan. Et ils adaptèrent la pyramide déjà construite, ils l'ont conquise et ils l'ont utilisée. Ils sont décrits comme des étrangers porteurs de nouveaux cultes, sanglants, idolâtres, avec d'importants rituels de sacrifice humain. La péninsule du Yucatan, où se trouvent Chichen Itza et El Castillo, sont proches du triangle des Bermudes, où se trouvent d'autres pyramides sous l'eau, correspond au territoire de l'Atlantide, qui était une civilisation planétaire et dont les territoires se situaient notamment dans les Appalaches aux USA, du Canada jusqu'au triangle des Bermudes, et donc au nord de l'Amérique du Sud. De grandes villes atlantes s'étaient développées aussi plus au sud, comme Machu Picchu au Pérou, Tiahuanaco en Bolivie et au bord du lac Titicaca et Tikal au Guatemala. Chichen Itza est donc une pyramide pléiadienne maya construite sur le territoire d'Atlantis. Comme un grand nombre de pyramides à travers le monde, c'était un réacteur du point zéro, à base de mercure cette fois, et non pas à base d'eau, comme celle de Gizeh en Égypte, sous laquelle se situait la base souterraine de la Fédération Galactique. Bien qu'elles paraissent anciennes et délabrées, toutes les pyramides atlantes étaient équipées d'une technologie de pointe. Mais au fil des millénaires, elles ont été détruites, ou d'autres civilisations après les Atlantes s'y sont installés et ont modifié les constructions d'origine. Ce qui reste de ce passé, c'est-à-dire ce que l'on voit ici sur cette image en arrière-plan, sont les constructions les plus récentes. La plus ancienne est à l'intérieur. Les civilisations atlantes et lémuriennes disposaient d'une technologie avancée, toutes deux dotées de capacités aériennes et spatiales, et leurs pyramides étaient réparties sur toute la Terre. La fonction principale d'une pyramide, ce n'était pas le sacrifice humain au départ, c'était de fournir de l'énergie gratuite aux villes. C'était des réacteurs à l'énergie du point zéro. Les pyramides sont détériorées, mais lorsque vous prenez en compte leur emplacement géographique sur tout le globe, vous réaliserez sans doute une grille énergétique qui couvre toute la planète. La fonction principale de cette grille est de fournir de l'énergie électrique gratuite et sans fil
grâce à l'énergie du point zéro. Bien que leur fonction principale était aussi des centres d'expansion de la conscience, en tant qu'amplificateur d'énergie psychique, en particulier pour les chamans et les guérisseurs, et des portails pour les sauts spatiaux. Les anciennes lignées reptiliennes utilisaient le serpent comme symbole, mais en vérité, ce serpent n'est pas celui des reptiles, c'est celui de la femme, en raison de la similitude avec la spirale d'ADN. C'est pourquoi il est utilisé dans le caducée d'Hermès comme symbole de la médecine. Mais il représente aussi un vaisseau spatial sortant du Soleil. C'est le cas de la symbolique du serpent à plumes qui représente un vaisseau en vol atmosphérique. Les pyramides atlantes de Mésoamérique utilisaient le mercure comme potentialisateur différentiel de charge en raison de sa grande conductivité électrique qui laisse les charges se déplacer et donc permet le passage d'un courant électrique. Les pyramides atlantéennes étaient équipées de structures avec des canaux où circulaient de grandes quantités de mercure liquide qui utilisaient la polarité électrique entre ciel et terre. L'atmosphère, les nuages, ont une charge électrique et le sol en a une autre. Lorsqu'une polarité est surchargée, une étincelle est créée car l'électricité cherche la terre, créant ainsi un éclair. Une pyramide n'est rien d'autre qu'un système permettant de canaliser le différentiel de charge entre l'atmosphère et le sol de manière continue et contrôlée afin de fournir un courant utilisable pour les appareils électriques et la lumière en général. Le mercure a été importé à partir de raffineries hors planète. Elles se situaient, ces raffineries, probablement dans les constellations Draco et Orion, et depuis une infinité de planètes, car toute cette zone du cosmos est encore, de nos jours, occupée par une majorité de lignées reptiliennes. Ces raffineries étaient organisées nécessairement en une sorte d'industrie qui était à la base de toutes les constructions des vaisseaux et les ressources nécessaires, ainsi que des usines de production de pièces de vaisseaux spatiaux et de chantiers navals pour les produire, puis le mercure a été amené sur Terre grâce à des portails stellaires. Le mercure est extrait depuis certaines planètes ou des astéroïdes, puis raffiné pour éliminer les impuretés et transformé pour produire une qualité électrique. Comme il s'agit d'un métal lourd, il peut être enrichi pour être utilisé dans des centrales nucléaires. En Atlantide, il y avait aussi des centrales nucléaires dans les temps anciens qui fonctionnaient à l'uranium. Le mercure enrichi est appelé mercure rouge qui est utilisé pour les turbines de moteurs d'engins spatiaux. Les pyramides fonctionnent toutes sur le même principe et le même modèle mathématique de base. La principale différence réside dans la complexité opérationnelle et la technologie. Les réacteurs à point zéro à base de mercure peuvent être plus petits en ayant néanmoins les mêmes résultats que les pyramides réacteurs à eau. Ils prennent donc moins de place et utilisent moins de mercure et ils ne dépendent pas de l'environnement comme les réacteurs à eau qui ont besoin de points d'eau pour fonctionner comme celle de la base souterraine de Gizeh en Égypte. Le principal problème avec les pyramides à base de mercure est leur toxicité. Elles constituent un foyer toxique pour le sous-sol, pour la perméabilité du site et les aquifères qui les entourent. La partie Maya de la pyramide de Chichen Itza est celle qui se trouve à l'intérieur. C'est la partie primitive qui a ensuite été transformée et recouverte d'une pyramide plus grande par les immigrants toltèques qui ont utilisé la région et l'infrastructure lorsque les Mayas, le peuple pléiadien du système stellaire Maya, dans la constellation des Pléiades, s'est retiré. Selon les données officielles, des civilisations comme les Incas ont disparu du Machu Picchu du jour au lendemain, laissant toute la ville intacte. La raison en est qu'ils avaient des capacités interstellaires et donc des vaisseaux spatiaux,
qu'ils sont montés dans leurs vaisseaux spatiaux et qu'ils ont disparu comme ça d'un seul coup à cause de l'effondrement de la civilisation Atlante due aux guerres de Tiamat et de Mars contre la Fédération galactique. Voilà, ma présentation est terminée. Je vais prendre quelques instants.